chute libre dans les sondages. 2,3 points de perdu. Et 0,3 en une journée. Purée! C'est ta faute, Fatima. Quoi? Non, mais tu délires? Non, je suis sérieuse. Tu n'avais pas assez d'épaule pour être tête de liste. Jusqu'à quand vas-tu continuer à me combattre? Tant que tu ne seras pas à ta place. Et en quoi est-ce que j'ai failli en tant que tête de liste? Vas-y, dis-moi. Écoutez, mes chères dames, on va se calmer. Mais ce n'est pas le moment de... Non, c'est le moment. C'est le moment d'avoir cette conversation. Ngobo. Tu as été médiocre lors du débat. Je dirais même nul. Mais arrêtez, mes chères dames. Le vote n'a même pas encore eu lieu. Et ce ne sont que les résultats des sondages. Les sondages qui sont le reflet de la réalité. Qu'est-ce qui te fait croire qu'ils ne sont pas manipulés pour influencer les votants? Tu sais très bien de quoi est capable le Parti socialiste. Les vrais résultats sont ceux qui sortent directement des urnes. Et jusqu'à la dernière minute, nous devons inciter les gens à voter. Ne nous laissons pas influencer par les sondages. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais comme certaines réfléchissent plus avec leurs fesses qu'avec leur tête, elles ne peuvent pas voir plus loin que le bout de leur téton. Comment ça? On n'est que des spectateurs.